Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, une petite vidéo sur la news fraîche concernant l'exchange FTX aux États-Unis et le token natif de la plateforme FTT. Il y a eu beaucoup de volatilité hier suite aux dernières nouvelles. Vous pouvez retrouver une synthèse un petit peu de la nouvelle sur The Block ce matin sur le fait que l'avocat de FTX devant le. Devant la cour américaine, s'est prononcé sur le fait qu'il désirait justement prendre l'option d'un remboursement en fiat des différents utilisateurs de la plateforme qui ont perdu leurs fonds lors de la fermeture et du scandale FTX. Donc plutôt une option de remboursement en fiat plutôt que finalement une redistribution des assets qui étaient détenus dans les wallets. Deuxième information qui est donnée, c'est que malgré finalement un passif au bilan, notamment toute la data disponible de l'ancien exchange FTX. La société trouve malheureusement pas d'investisseurs pour pouvoir finalement donner un second souffle à une réouverture de l'exchange, hein, le fameux FTX 2.0. Donc on va voir un petit peu les différents tumultes dans les prochains jours, prochaines semaines concernant cette histoire, mais pour le moment, ça a fait plutôt effet de douche froide par rapport aux personnes qui estimaient la réouverture de l'exchange possible pour cette année 2024 et une appréciation, une continuation de l'appréciation du token FTT sur les prochaines semaines. Voilà. Donc vous pouvez retrouver cette nouvelle-là sur le site de The Block. Vous avez les dernières mises à jour fondamentale des nouvelles sur FTT. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de regarder un petit peu la configuration technique dans ce contexte. Donc, hein, je rappelle, hein, c'est quand même un token sur lequel il faut faire relativement très 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 attention. Ce matin, nous, chez Rain, on avait donné déjà une première recommandation. Hein, je rappelle, vous pouvez retrouver les différentes analyses sur notre Telegram. Le télégramme de Rain dans la catégorie Rain Research et Trading Opportunity, hein, vous avez l'ensemble des informations et des éléments techniques. Je vais vous faire un petit peu la synthèse de ce qu'on voit ce matin. Donc pour vous recadrer un petit peu la tendance sur le jeton FTT, on a eu une première salve ici d'impulsion relativement importante lors du début de l'année et milieu d'année 2023, avec une forte forte accélération hein, qu'on a vu se dérouler suite à la validation d'une structure de retournement, hein, une tête épaule inversée ici sur le bas le bas du chart. Hein, pour rappel, hein, cette structure ici nous donnait quand même plutôt une indication de retournement de tendance avec une forte accélération. Ça avait plutôt bien marché. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, c'est le fait que cette accélération qui a commencé lors de la rupture de la ligne de coude de la pattern ici, vous voyez, et ben finalement on a réinvalidé toute cette tendance, on est revenu sur le point de départ en fait de cette pattern de retournement. Donc ça a plutôt, on va dire, annulé quasiment tout le momentum psychologique qui s'est passé lors de cette accélération-là. Donc c'est retour à la case départ d'un point de vue technique. Et maintenant, on va dire qu'on se retrouve un petit peu dans les mêmes schémas psychologiques et techniques de ce qu'on avait retrouvé sur le token Luna lorsque ce token avait finalement complètement crashé. Hein. C'est ce qu'on a eu ici lors de la première phase d'impulsion très baissière lors du breakout, lors de l'annonce du scandale FTX. Mais on veut warner un petit peu cette situation puisque maintenant on peut très bien voir un token glisser vers des niveaux de valorisation quasiment nuls. À partir du fait que si jamais ça s'améliore pas d'un point de vue fondamental ou de nouvelles sur ce token, on aura très peu d'espoir de voir le jeton retrouver un cours décent dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, pour rappeler, nous, on avait plutôt comme optique de suivre FTT dans une dynamique de, on va dire, de continuation de ce rebond en cours suite aux différentes annonces qu'on avait pu avoir en 2023. L'idée, c'était de venir consolider ici quelque chose de rangy, voilà, avec une limite, on va dire, autour de la zone des 2,20, 1,88. Ça, c'était un peu la base de support qu'on surveillait, nous, pour pouvoir donner
une réaction de poursuite de cette tendance-là. Ce scénario est complètement invalidé par rapport au fait qu'hier on a pénétré fortement cette zone des 2,20, de 2,50 avec une forte accélération. Donc maintenant, ce qu'on regarde, c'est plutôt ce niveau des 2,40, 2,50 qui agit comme une grosse résistance. Il faudrait clairement qu'on réintègre cette zone de risque ici pour invalider un risque de poursuite de la tendance baissière au moins vers 1,33. 1,33, c'est relativement important puisque ça correspond en fait à une phase d'autosimilarité ici, vous voyez, ici, comme si on avait fait une impulsion, une correction, et ensuite qu'on venait chercher à doubler finalement ce mouvement-là. Donc ça a l'air d'être plutôt le scénario qui va se dégager maintenant dans les prochaines heures, prochains jours, avec un très fort possible, un ratio de volatilité relativement important. C'est ce qu'on est en train de voir tout de suite là en live. Donc attention, ici on a plutôt des zones d'exit, vous voyez, hein, les moyennes mobiles et puis les ratios Fibonacci, c'est plutôt des zones de short squeeze d'exit, où là où vont essayer de se positionner les shorts pour essayer justement de jouer ce scénario baissier. Voilà. Donc faites très attention pour ceux qui détiennent du FTT, c'est forcément des sables mouvants pour ceux qui sont sur des timings plutôt moyen long terme. Vous prenez un gros pari sur l'éventuelle réouverture de l'échange et une appréciation future du token. Autant techniquement parlant et par rapport au news flow, c'était cohérent jusqu'à ce que en fait on enfonce hier ces niveaux de support, autant aujourd'hui il y a un changement de paradigme sur ce token et il faut être relativement très très prudent. Voilà. Je rappelle quand même qu'il y a des plateformes qui proposent du dérivé sur FTT pour ceux qui veulent jouer le mouvement de short. En effet, les risk reward entre 2,50 et 2,20 sont relativement serrés pour jouer justement une stratégie gagnante relativement rapide avec une zone d'invalidation très claire autour des 2,50. Voilà, 2,50, 2,55 pour les stops. Maintenant, voilà, ça reste quand même des stratégies de trading relativement risquées. Et il faut bien maîtriser justement ce type de trade avant de se lancer justement dans ce type d'idée. En tout cas, pour essayer de jouer un holding ou essayer de jouer quelque part une réappréciation du token, j'attendrai en tout cas pour ceux qui souhaitent prendre ce risque. Cette zone-là des 1,50, 1,33 avant de se positionner éventuellement pour jouer justement une partie de la volatilité technique dans cette partie du price action, c'est-à-dire en fait un test ici, un rebond, un test et puis finalement un drift. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on peut essayer d'envisager sur le court terme. Et avec bien sûr un risque en cas de cassure des 1,33 de glissade jusqu'à des niveaux bah, qui peuvent atteindre 0, hein, voire des décimales derrière le 0. Donc faites attention sur FTT, FTX. Voilà, c'est tout ce matin concernant ce token et bonne journée à tous. Ciao, ciao!